N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bienvenue sur l'actualité de FC Barcelone. Ansu Fati blessé à la cuisse gauche lors de la défaite du FC Barcelone contre l'Athletic Bilbao en Coupe du Roi, le jeune attaquant pourrait faire son retour sur les terrains. Le joueur espagnol devrait réintégrer l'entraînement collectif du club catalan après la trêve internationale. Une bonne nouvelle pour la formation dirigée par Xavi, qui s'apprête à disputer une fin de saison passionnante. Plusieurs noms sont évoqués sur le départ du FC Barcelone cet été et reviennent avec insistance. On peut penser à Bressuet, probablement, ou encore Umtiti, Dest, Sergi Roberto et Neto, Iñaki Peña. Leur départ pourrait améliorer la caisse pour l'arrivée comme Franck Caissier ou Andreas Christensen. Un joueur du Barça pourrait rejoindre l'Atlético Madrid. Il s'agit de Sergi Roberto, futur lieutenant de Diego Simeone. L'Atlético Madrid aurait déjà envoyé une première offre à Sergi Roberto, alors que Marca a expliqué que le Barça ne lui proposera pas de prolongation de contrat. Il n'y a pas d'accord papier mais verbalement cela avancerait bien. Sergio Roberto serait libre en juin prochain, le joueur formé à la Masia, passé par le milieu et le flanc droit de la défense catalane, est blessé depuis octobre dernier et son retour n'est pas espéré avant la fin mars. Son départ devrait faire économiser plus de 5,2 millions d'euros par an au FC Barcelone, quasiment autant que ce que coûtera Caissier, 6,5 millions environ. N'hésitez pas à me laisser un commentaire de quel de ces joueurs vous aimez jouer sur la défensive de FC Barcelone. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.